Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une micro-découverte, puisque c'est vraiment c'est un petit jeu qu'on va tester, qui s'appelle The Block. Alors, The Block, c'est quoi? The Block, c'est un petit jeu qui a été fait par... que j'écorche pas son nom, Paul Schnepf. Et c'est édité par Future Friends Games. Future Friends Games, c'est ceux qui ont été... qui ont édité Exo One, qui ont édité Omno, et qui ont édité Festival Tycoon, dont on a déjà parlé de ces trois jeux. Donc c'est vraiment un éditeur de jeux indépendants, et qui laisse sa place à des petits développeurs, ce que je trouve toujours très très cool. Je vous dis bonjour Crashed, bonjour Sectaire et bonjour Fracturus. On est parti pour cette découverte qui nous a été fournie par Dystopique. Et salut Princesse Poète Poète. Comme vous pouvez voir, le jeu est vraiment très sobre. On est sur une ambiance très chill. Si vous voulez que j'augmente un peu la musique, vous me le dites. On a un système de contrôle, pareil, qui est... je veux dire, pourquoi s'encombrer de texte? À quoi ça sert le texte? Voilà, il y a des icônes, ça marche très bien. Et on va démarrer en M, parce que j'ai strictement aucune idée de toute façon de ce qui nous attend. Ok, on démarre sur un petit style. Je vais profiter pour prendre mes screens aussi, puisque j'ai un article à faire, moi, derrière. Donc, là, je fais tourner le truc en cliquant... D'accord, donc là, d'accord, et donc en fait je continue. J'étends une ville progressivement. Ça a l'air d'être un panneau de signalisation, ça. Gardons les arbres entre eux. Ah non, c'était... D'accord, c'était des... c'est des lampadaires. Alors par contre, c'est chelou des lampadaires comme ça, en fait. Une autre maison qu'on va mettre... Ah! Alors, ok, j'ai ripé sur la touche R. Une petite boîte de confirmation aurait pas été du luxe. Parce que bon, hein, c'est un peu raide. C'est pas très grave. Mettons la maison à côté des arbres. Puis du coup, comme on peut pas remapper, donc c'est un peu... c'est pas forcément évident. D'ailleurs, on peut pas remapper et Ok. Il n'y a pas de type de... Ah, ou alors... Ah, d'accord, je peux faire un clic droit pour annuler. Je peux faire un clic droit pour annuler l'objet et avoir ce que je veux plus tard. Bah là, du coup, en fait, j'aimerais plus... Qu'est-ce qu'on peut caler? Une petite allée comme ça. Ah bah là, il y a un... Il y a un lampadaire tout seul. Caler ça comme ça, ou peut-être à côté de la maison. Une autre maison qu'on va caler à côté. Ici. Alors là, la maison elle est un peu plus grande.
L'ambiance musicale est spéciale. Moi, je trouve ça très chill. Tiens, comme dans les bleds. Alors, par contre, un clocher par village, s'il vous plaît. Oh, il y a un peu trop... Voilà, donnez-moi des arbres. Qu'on fasse quelques séparations... Ah, ça fait un peu chier, genre... En fait, j'aurais pu faire une... Là, on peut faire une petite annexe à l'église, en fait, comme ça. On va essayer de faire ça. Encore un peu plus d'arbres. Essayons de séparer le... De séparer un peu plus la zone urbaine... Enfin, de... Pas là, pas là... Oh, ça va terminer le... ça va terminer cette section. Ah non, là tu vois, je suis rarement d'accord avec Sectaire, mais rarement. Bien rarement. Mais franchement là, la maison, la musique, je la trouve vraiment très chill. J'ai dit que j'étais d'accord avec toi, Sectaire. Et voilà, maintenant il va bouder. Ah, voilà ce que j'attendais. Bon, ouais, chelou mon église. Hein. Bah oui, rarement. Enfin, voyons. Voyons donc. Pas souvent, enfin on est d'accord sur des idées principales, mais le... Ouf, ah, j'avais pas vu qu'ils étaient pas alignés. Les toits sont pas alignés, ça me perturbe. Je peux pas le supprimer. Vous me donnez beaucoup de maisons. Voilà, un petit arbre. Parfait, ça, un petit arbre. J'aime pas la joie. Non, ça c'est toi. Continuons notre avenue des lampadaires. Là, on a une petite rue qui continue comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas la place? On peut peut-être caler une autre maison, là, le long. Qui est un peu plus grande. Allez, comme ça, on continue notre ville de cette façon. Lampadaire ici. On mettra d'autres maisons de ce côté. Ouf, je suis dans la zone. Là, admettons, on peut imaginer que ça parte un peu plus loin là-bas. Puis là, ça va terminer comme ça. Ah, c'est ta connexion qui est en train de mourir? Bah écoute, ouais, parce que... Enfin, je veux dire... Là... Je connais un peu tes goûts crashed, et honnêtement, ça fait pas partie des musiques. Ça peut ne pas être dans tes goûts, ça, je veux bien l'entendre, mais je te vois pas non plus ne pas aimer ce genre de musique, en fait. C'est assez étrange. Ça, c'est un peu grand. Voilà, on a nos deux allées qui sortent du village. On peut peut-être mettre des arbres, effectivement. Là, j'ai un peu l'impression de... J'ai un peu... Alors, sans... Sans, comment dire... Sans vouloir me la raquer, parce que c'est pas du tout ça. Mais j'ai un peu le feeling de d'avoir entre les mains un jeu type Bob Ross est en train de peindre des trucs. Loin de, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que je suis Bob Ross, hein. J'ai pas son talent et sa chillance. Mais du coup, en fait, c'est un peu le feeling que j'ai.
Et ouais, effectivement, je pense que t'as pas du tout le bon son, en fait, Crash. Hein. Parce que là, moi, j'ai des petites touches de piano pépère, en fait. Et ça fait pas crrr. Quand ça fait crrr, c'est que c'est les cigales qui sont dans ton PC. Et les cigales dans les PC, c'est pas bien. Hein. Pas ouf. Non, un clocher, pas ouf. Une petite maison en dehors du village. Why not? Ça, vous voyez, on va dire que c'est un pénible. Je me laisse pousser les cheveux, on fait une afro. Mais oui. Là, c'est une maison qui a fait chier la mairie pour avoir un lampadaire. Qui a dit, moi, je suis pas dans le centre du village, j'ai pas, moi, j'ai besoin d'un lampadaire. Et hop là. Voilà, à cause de toi, la planète s'effondre. Oui, ici... D'accord, c'est le... D'accord, c'est quand ça tourne, ça fait pas partie de la musique, en fait. Ah. Forcément. Mais arrêtez de me donner des... Arrêtez de me donner des lampadaires. Mais je veux pas de clocher non plus. Ah d'accord, j'ai... Ah si, c'est bon, j'ai le choix. Voilà, parce que... Parce que là, ça fait crrr. Voilà, là c'est normal. Quand je pivote, ça fait crrr. Moi, j'aimerais bien... Oh, à la limite, je peux m'accommoder des lampadaires. Oh, une petite route, s'il vous plaît. Une petite route. Voilà. Tada! Eh ben, c'est tout con, mais j'aime beaucoup. C'est reposant. Quelques petits écarts ici et là, mais et là du coup on peut redémarrer. Ok, donc là je peux avoir un petit truc petit, je peux avoir, mais du coup quand c'est tout petit comme ça, ouais forcément. Ah là j'ai des textures, j'ai des trucs un peu différents. Genre là j'ai des builds, j'ai des buildings. Ça c'est une grande avenue. Avec une petite zone. Et tada. Ok, on a vraiment une petite avenue, toute simple, toute rapide. D'accord, tu... Pas de problème, Crashed. Allez, on va se faire un... On va essayer de se faire un truc un peu plus grand. Est-ce que... Ouf. Le orange était un petit peu flashy. Par contre, on va regarder un petit peu, voir les différentes couleurs. Là, on est peut-être...
Là, on est sur des toits bleus. Là, c'est les toits verts. C'était le premier truc qu'on a fait. Là, on a l'air d'être sur un délire un peu plus citadin. Avec des... avec des grandes tours. Et des petites places de marché. Ah, celui-là, ça fait aussi des grandes tours. Mais avec un style différent. Ok, why not? C'est vraiment le... C'est vraiment le biome qui décide. Alors, en vrai, j'aime beaucoup la tranche de ces bâtiments. Mais par contre, le orange m'a éclaté les yeux. Et là, on repart sur le vert. Ouais, bah écoute, on va essayer ça. Non, j'ai appuyé sur R. Bon, au moins, je sais, voilà. Voilà, c'est celui-là. Alors, on va essayer de se faire une espèce de parc central, je pense. Ah oui, désolé, Crash, là, du coup, je les ai un peu enchaînés. Avec un petit marché en bordure, une route pour y parvenir. En face, on va commencer à avoir une espèce de des petites maisons. Là, on mettra des lampadaires. Non, putain, j'ai appuyé sur E, pas sur R. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave, on va... Bon, l'avantage au moins, c'est que c'est pas dur de recommencer. Mais c'est un peu... Voilà, le petit confirme... Le petit confirme serait vraiment pas de trop. Donc pour l'instant, le jeu a une démo, mais le jeu n'a pas de... Le jeu n'a pas de prix, pour l'instant. On sait pas du tout à combien... À combien il sera vendu. Non. Ouais, d'autres arbres, c'est bien. Éventuellement, on pourrait envisager que ça, ce soit l'arrière d'une église. Ah, ou l'avant, justement. Donc ça, ça serait l'entrée. Elle commence là. Là, on a une allée centrale. Donc, on aurait deux lampadaires ici. Donc, ça, on n'a pas besoin. Voilà le clocher. On le mettrait de ce côté. Là, ça continue comme ça, en toute logique. On aura deux petits trucs. Là, ça va continuer là sur les côtés. Encore un arbre, c'est très bien. Prenons des arbres. Genre là, on va mettre ça le long. Alors. Ça, c'est pas mal comme taille. C'est un peu plus petit. On essaiera de retrouver le même. Ah tiens, là, ça va faire une espèce de petite route en diagonale. C'est pas... C'est bien. Alors ça, t'as pas l'air d'être de la même taille, toi. Ah, c'est dommage. Ah, puis on va essayer de trouver le même. Non, par contre, on peut commencer à mettre des maisons le long de cette route. On n'a pas besoin d'un deuxième clocher, c'est pas la guerre ici.
Ça, c'est pareil, c'est un peu haut et c'est un peu petit. Ouais, hein, c'est chill. Moi, j'aime bien. Mis à part un petit manque de contrôle sur, sur l'ergonomie à quelques endroits, en vrai... À noter, tout à l'heure, il y aura un stream à 21h, à peu près. Juste par contre, c'est vraiment un stream, ça va être un stream pour le KLJV. C'est parce qu'on n'a pas fini notre... on n'a pas fini notre épreuve d'hier. Donc du coup, on va terminer ça tranquillou. Juste par contre, voilà, il n'y aura rien, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Hein. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, mais il n'y aura vraiment pas grand chose d'intéressant à voir. Ah, je crois que ça... Ouais, ça c'est de la bonne taille. C'est un stream pour la compétition. Le KLJV, c'est un truc, c'est une compétition de jeux vidéo qui s'appelle le KLJV pour Koh-Lanta du jeu vidéo. Et on participe avec l'ami Septimus, on participe à cette compétition. Et là, on va faire la bataille pour la finale. Et c'est une compétition sur des jeux péraves. Ah bah oui, hein, t'es... Bah en même temps, on était... hier, en fait, on était tous dans le même chan. Et du coup, c'était des jeux qui demandaient quand même énormément de concentration. Donc du coup, les spectateurs avaient pour consigne bah, de simplement fermer leur mouille, en fait. Et franchement, c'est bien, parce que c'était vraiment, vraiment pas évident de se concentrer. Mais en tout cas, c'est bien marrant, on s'amuse bien. On en chie un peu, mais on s'amuse bien. Deux maisons côte à côte. On va essayer de rien mettre en face de la mairie quand même. Enfin de l'église, pardon. Bon. Ouais, Crash, il est pas d'accord, bah, qu'est-ce que je te dise. On va continuer ça. Là, on mettra une route pour partir de ce côté. Bon, on peut mettre les deux arbres d'ici. Là, pour reprendre avec les lampadaires là. Juste une maison comme ça. Je pense pas à vérifier d'ailleurs. Hop là, voilà. Ah là, c'est pas bon. Je pense que vous aurez deviné que j'aime bien mettre des arbres partout.
Là, on va essayer de rien mettre sur ces trois cases-là. Peut-être, voilà, juste un arbre. Tu vois, voilà, Fracturus. Fracturus, il soutient. Oui, bien sûr que c'est à 20h sectaire l'émission, mais là de toute façon on termine ça et puis on termine ça et je vous y envoie. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai décalé à... C'est un peu pour ça que j'ai décalé à 19h30 le stream, aussi. Je savais que ça allait être petit comme émission. Enfin, je savais que ça allait être petit comme découverte. Donc là, on termine tranquillou et puis... et je vous envoie là-bas. Ah non, non, c'est... c'est 20h. Hop là, on est en train de se faire un village fleuri là, je vous raconte pas. Ah, c'est bien, il a compris ce que je voulais, le jeu. Il a dû se dire, putain, ce bouffon, il avance pas. Qu'est-ce qu'il veut? Salut Luli, ça va très bien et toi? On va se mettre ça ici. Alors, on se dépêche, l'émission elle est dans pas longtemps. On va rushy un peu ça. Eh ben on n'y accède pas ici. Voilà. Ça c'est des maisons, il n'y a personne qui n'y est jamais allé. Ouch! Effectivement, oui, ça va pas être, super cool pour le moins, quoi. Très chaud pour du stream versus. Moi je versus pas je versus pas Fracturus sur un jeu de versus. Personne ne devrait faire ça. Non, 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 un gros casu, mes genoux. Écoutez-le pas, il va vous éclater.
Un versus au jeu de lancer de briques. De l'arbre. Hop là, un petit arbre en coin, maison ici, place. Si tu sais pas quoi coder sur l'US5, oh ça va, je pense que j'aurais d'autres idées avant ça. Bon allez hop, on va terminouiller ça avant de partir. Si t'as des heures sup, au moins ça sera un peu contrebalancé. On va voir ce que ça donne si on fait n'importe quoi. Parce que là, du coup, ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de points, il n'y a pas de... C'est vraiment... Venez comme vous êtes, quoi. Je vais finir par mettre un clocher, hein, ça continue. Tada! Un petit village qui va bien. Ah oui, c'est vrai, chez Monmi. Et voilà, bah écoutez, c'était The Block. Je vous remets le lien dans le chat. Tac, il est là. Ça sort le 16 décembre, donc il y a encore un peu le temps de voir venir. Il y aura un article qui va venir sur Dystopic. Peut-être que Vactro va continuer Somerville tout à l'heure, j'en sais rien. Sinon, vous avez Sectaire qui stream demain. Donc Vactro, c'est ça. Et Sectaire, c'est ça. Et vous pouvez venir sur le Discord, bien évidemment. En attendant, on va faire un petit raid. Poum. Et bien sûr, on va aller chez Canard PC. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Bye bye.